Et salut tout le monde et bienvenue sur FFPE pour un épisode sur l'événement dans Gagazette de Final Fantasy X. Mais avant cela, si vous avez vu, il y a de nouveaux trucs, voilà, la tour des sirènes, ouais c'est ça, et les portes des enfers. Donc il y a les trois étoiles de sirènes et Ifrit. On va les faire. En plus on peut gagner des tickets d'invocation 4 étoiles, donc c'est super bien. Donc c'est parti, terminer la quête, ok, pas utiliser les limites, appeler Ramu, et juste 5 personnes. Bon, on va le faire. On va le faire avec une petite équipe. Après une petite. Que des 5 étoiles. Les 5 étoiles natifs. On verra ce que ça fait. J'ai changé l'arme de ma 2B parce que j'avais une arme d'eau. Elle doit avoir 100% de résistance à l'eau. Je pense. Ok, on va passer, on s'en fout un peu, de toute manière je pourrais le refaire et le renvoi. Mais bon, gros c'est, yes, la puissance est encore plus grande que prévu. En plus lapis, ça c'est cool, normalement j'ai tout. Et Jikali bleu, faudra que je voie combien ça donne. Alors, on va quand même voir, hein, Chimère 3 étoiles, entraînée, elle regagne encore des sorts, oh c'est pas possible, résistance à l'eau, oh what the fuck, entraînée, non, améliorée, pardon, alors, j'en ai. Ça donne plus rien. Ah la vache. C'est horrible. Je pensais que ça donnerait un petit peu, mais là... N'importe quoi. Ça donne vraiment rien. Ah, même pas. 13 niveaux pour 400. Eh ben putain. Pas sorti de l'auberge. La vache. La vache, la vache. Ah, maintenant c'est gigalite. Essayons de les avoir. Bon, je dois en avoir quelques-uns qui traînent dans... là-dedans. Donc oui, c'est vrai, il y a les 20 aussi des pétales. Ouais, j'ai un peu de gigalite là. Qui est bien marron. On peut avoir un ticket 5 étoiles gratuit. Donc c'est plutôt fun. Bon allez.
Faisons les invocations. J'ai 8 tickets. Et essayons d'avoir au moins... Bon, Wakage. Essayons d'avoir 6 mois. Je balancerai... Non, je balance qu'un ticket. Allez. Un ticket 4 étoiles, 6 mois. Et c'est bon, merci, au revoir. Ouais. Merci, au revoir. Bon. Allons voir quand même l'event. Est-ce que quelqu'un a mis Waka ou un truc comme ça? Non. Parce que techniquement, Waka, vu qu'il a eu sa 6ème étoile, il doit être. Doit augmenter le. La prime. Je pense. Ils sont pas fait les cons. Sérieusement. Même pas Waka. Ah, c'est un peu chiant ça. Bon, on va essayer. C'est soit Yuna, Lulu ou Seimo. Allez, on essaie d'avoir un 4 étoiles. Allez, c'est parti. Et après, sûrement, je vais faire une coupure pour voir la fin. Ok, premier Waka. Ah, je sens que ça va me dégoûter. Quoique Waka, au moins j'aurai sa récompense de confiance, qui est plutôt pas mal. Sarah. Y'a qui d'autre? 4 étoiles, allez, Seymour. S'il te plaît. Garde la lumière maintenant, c'est pas toi. Je te voulais pas. Même si c'était très bien. Mais j'avoue que Waka, c'était mieux. 8. Un autre Waka. Plus que 2. J'avais 2 chances d'avoir ces niveaux. Il a pas voulu tomber. Conrad. Oh, purée. Ça faisait longtemps. Et on se termine sur un Waka. Over the top. Attaque 117 quand même. Allez, c'est bon. Non, vous savez quoi? On va faire que le débutant. De toute manière, ça doit être ultra simple. Faut juste farmer. Un peu dégoûté qu'il n'y ait pas ces personnages là. On va quand même mettre Waka. Ok. J'ai rien dit. Remplacer Waka. Remplacer. Est-ce que Riku fonctionne? Je pense pas. Remplacer Waka. Bon, moi j'ai 3 Waka. Ah, c'est plutôt bien. J'aurais pas dû dispenser tout ça. C'est juste que c'était pas marqué. Allez, c'est reparti. Donc, Gazette X. 25 d'endurance. Ne pas utiliser le limite. Ok. 4 ou moins. 4 ou moins. 1, 2, 3. Oh, purée. Bon, on va tenter. Je sais pas ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre même si résiste à l'eau, je suis baisé. Donc on va pas mettre ça. Allez, on va essayer comme ça. Alors c'est en X, donc techniquement ça risque d'être assez compliqué. Alors, tu pourras mettre un terme au tourment de ce malheureux Ranzo. Ok. Alors, voyons voir.
Est-ce que j'arrive à les one-shot? Ok. Ça va. Plutôt cool, avec 3 Woka. Combat 6. Youpi. Bundersnatch. Normalement il est mort. Ok. Il doit sûrement avoir le légendaire. Parce que là on s'est arrêté sur le sup. Combat. Une petite grenade. Qui est quand même dégueulasse. Ah, il a des mains. Ou des nageoires, comme vous voulez. Ok, combat 4. Mecha armure, normalement. C'est une machine, donc voilà. Y'a rien à dire, c'est Toby. Ashera, qui est quand même plutôt stylé, je trouve. Ok. Et le combat 6 sur 6, c'est quoi le boss? Biranzo et Yonkeranzo. Double boss. Ah, j'ai pas. Sérieux, j'ai pas réussi. On va mettre les Waka en garde. Ça risque d'être compliqué là. Mecha brasier. Non, mais je pense que je suis mort. Ok. Ok, donc celui de du bas il est juste nu. X. Eh ben dis donc, j'ai perdu ma voix. Y'a que ça à dire, il était juste nu. Alors les Waka ils augmentent. Avec une limite, on s'en fout. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a le lèche. Utiliser les objets, il n'y a pas de souci. On va en prendre deux. Oui. Tac. Groupe 4 au moins. Par contre, là, ça risque d'être compliqué si je balance ça. Pas plus de 3 objets, 4 au moins. Non, je pense que c'est beaucoup trop compliqué. On va... On va en laisser qu'un. On va en laisser qu'un, faut pas déconner. Ace, et... On remplace... Par Ayaka. Ouais. Au moins on fait des, par 4 ou moins, mais juste ça risque d'être compliqué. Si on arrive à 5000 lapis, par contre je ferai l'invocation. Obligé. L'âme. Ouais. Ça risque d'être un peu compliqué. Ok, ils font mal. Faut pas faire de conneries. On va redonner des PM. Waka risque de crever par contre. Attaque sonique. Giga.
et laser, triple. Est-ce que... Ouais, ça fait un peu de combo. Est-ce que ça... Yes. De justesse, mais ça a réussi à le tuer. Vu que je fais pas de dégâts foutre, laser trips, enfin foutre ou feu, laser trips, pas le top avec Toby. Pour augmenter l'attaque et la défense. On a bien fait d'augmenter l'attaque. Enfin, la défense plutôt. Giga soin. Après, je prends ce qu'il y a mieux. Là, je suis parti avec Ace et Toby, mais. Doit avoir mieux. Comme personne, à prendre. Surtout pour faire de bons combos, et le mieux, ça serait de faire des combos élémentaires. Bon, eux, ça doit être les tranquilles. On va faire une petite lame. Ça. Grandel. Mecha armure. Normalement, il y a moyen que je tue par contre. On va augmenter l'attaque. Allez, sans déconner. Giga soin. Et on répète. Là, c'est parce qu'on est que 4, mais à 6, je pense que je prendrai 2 Waka et un tank et ça passe tranquille. Là, on refait. Laser. Yes, en orange. Ah, dommage. Qui aille. Boost son attaque, et c'est pas cool. Heureusement qu'il attaque que deux fois, par contre. Il vient de PM, mais normalement là, il crève. Ok. It's good. Et donc c'est là le plus difficile. On va faire boost tout. Voilà. Boost toutes les compétences. Laser triple. Accélérer. Normalement c'est lui le plus facile à tuer. Aqua souk. Donc ils font pas mal d'attaques magiques les enfants. Oh. Bon bah c'est mort. Je pense. Je pense que c'est mort. J'ai sous-estimé le truc. J'aurais dû prendre Marie à la place d'Ayaka. Ok, bon, abandon. Malheureusement, je pensais vraiment que ça serait facile, mais non. Ouais. On va abandonner. Alors, normalement, j'ai gagné un peu de lapis. Tout récupéré.
Ouais, très peu. Ouais, dommage, dommage. Voyons voir quand même la fin, enfin. Allons voir le petit Mog. Et on va s'arrêter sur ça. Hein. Alors, il y a le conseiller pour les pétales qui nous donne donc le ticket d'invocation 5 étoiles 10%. Ah, offre une probabilité unique de 10% d'obtenir. Ah, c'est 10. Oh, les enfoirés, 10%. C'est énorme, mais il y en a qu'un. Risque d'être compliqué. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Moi, je croyais que c'était un 5 étoiles assuré, mais non. 10% de 5 étoiles. C'est pas si ouf. Bon, c'est mieux que rien. La tunique de maître. Pas d'effets spéciaux. Défense magie psy. Pas ouf. Mog capricieux. Par contre, le sceptre, il est très bien. Ok. Deux armes. Ça me sert strictement à rien. Les tickets d'invocation. Ok, le mog 10%, le méga pompinator qui est très bien, le sel crisp pur. Ok, donc après c'est du classique. Ok, let's go, on quitte. Ah, je suis dégoûté. Bon, je vais le terminer hein, sur certains en légendaire la prochaine fois, mais je pensais vraiment que ça allait passer. En termes d'équipement, on va peut-être repartir au pire mettre de la lumière. Ah, je sais pas. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à la prochaine. Allez, tchuss!